bah je comprends pas, hein. J'ai pourtant tout fait, hein. Je l'ai écouté, je l'ai hébergé, je lui ai même prêté de l'argent, et c'est comme ça qu'il me remercie? Y'a un truc qui est pas clair. Ouais, bah vous savez quoi, hein, puisque c'est comme ça, on va arrêter d'être gentil, hein. Et puis, et puis, bah maintenant je vais penser qu'à moi, hein, voilà. Et oui, quand on est gentil, on ne respecte pas la bonne distance dans la relation. Place aux explications. Ça, c'est la relation. Dans la relation, nous sommes deux. Je suis responsable de mon bout et l'autre est responsable du sien. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de comment l'autre le reçoit. Si je fais plus que ma part ou pas suffisamment, eh bien je prends le risque de me faire persécuter. Et je ne laisse pas la place à l'autre pour qu'il puisse faire sa part. Donc, je fais ma part, juste ma part, et rien que ma part. Et oui, être bienveillant, ce n'est pas naturel, ça s'apprend. À 80% du temps, nous sommes dans une relation qui dysfonctionne. Parce que c'est une méthode intégrative, l'Emmett Analyse a repris le triangle dramatique de Karpman, l'analyse transactionnelle pour ceux qui connaissent. Bruno Dalpalu l'a adapté et l'a rendu encore plus logique. Explication. Je peux me retrouver dans le rôle de la victime. C'est la posture de celui qui subit, qui se plaint sans cesse de l'autre, de tout et de tout le monde. Et puis on croit être gentil, hein, et ben on veut être gentil, mais c'est quand même de notre faute. Le persécuteur, quant à lui, fait des reproches, il juge, il peut faire preuve d'ironie, de mépris, de sarcasme, voire de colère ou de violence. Et voilà, et je t'avais demandé de faire ça? Quoi? Tu l'as pas fait? Il me semble que je te l'avais demandé, non? Ça fait pas plusieurs fois là que je te demande de faire ça? Si j'osais, si je pouvais! Le sauveteur, c'est celui qui croit bien faire et qui fait plus que sa part sans avoir vérifié s'il était à la bonne place dans ce qu'on lui demande. Vous avez remarqué? Dans sauveteur, il y a le « et », « et », le « et plus » et encore « je fais plus que ma part ». En général, quand je suis gentil, je fais plus que ma part et je suis sauveteur. Donc, si je veux rester bienveillant à la bonne place, je dois être sauveur. Oui, enfin, ça veut dire quoi, ça? Pour rester à la bonne place et être bienveillant, je deviens sauveur. Voici les trois questions que je me pose. Ai-je envie? Suis-je missionné? Est-ce qu'on me l'a demandé? Suis-je compétent? Si je réponds non à l'une de ces trois demandes, je n'y vais pas, sinon je vais être sauveteur. Et c'est ainsi qu'une fois sauveteur, je vais me faire persécuter et être victime. Et nous tournons dans le triangle conflictuel. Vous l'aurez compris, tout est dans l'art que chacun fasse sa part. Est-ce clair? Oui, mais parfois, on peut pas éviter le conflit. Et là, comment on fait? Ah bah ça, je vous l'expliquerai la prochaine fois.